Bienvenue dans Montre ton Skills. J'ai Shanice qui est avec moi derrière cet écran. Bonjour Baptiste. Bonjour Shanice, est-ce que tu me reçois? Je te reçois 5 sur 5, j'ai l'impression d'être en fusée. Oui, je vous reçois. Attends, ok, c'est bon. Magnifique. Je suis avec. C'est bon, tout est sous contrôle. Et Mathilde, est-ce que tu les vois bien? Je les vois parfaitement, ils sont magnifiques. Super. Alors, dis-leur que je les embrasse. Mathilde et Mathéo sont barman et mixologiste. Alors, qu'est-ce que c'est que mixologiste? Mixologiste, en fait, c'est l'art de. En plus de créer des cocktails, c'est l'art de vraiment venir mixer des arômes, des saveurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de trouver dans des bars classiques. Ouais. Donc, là, c'est vraiment le fait d'aller chercher plus loin que ce qu'on voit dans la bouche. Ok. Voilà. Alors là, on a devant nous, comme vous pouvez le constater, vous qui nous regardez, différentes saveurs, cranberry, nectar d'abricot. Qu'est-ce que c'est ça? Là, on a du sirop de l'orgeat. Et là, sirop de passion. Sirop de passion. Ok. J'ai soif. Alors, j'ai qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va faire des cocktails. Okay. Des cocktails sans alcool. Vas-y. Bah, bien sûr, à consommer avec modération si vous buvez de l'alcool. Ok. Alors, vas-y, commence. Montre-moi et après, c'est moi qui mets la pâte. Pour le premier cocktail, on va partir sur du tabrico avec du citron et du sirop d'orgeat. Ok, vas-y. Attention, Mathéo qui nous fait un cocktail. Abricot. Il est pour qui ce cocktail, Shanice? Tu le veux, Baptiste? Je sens que tu le veux. J'ai très soif. En plus, j'ai entendu parler de passion. Je te le ramène après, Baptiste. Je veux de la passion dedans, Shanice. Ah, bah, ce sera de la passion du cœur. Hop là. Mais alors, qu'est-ce que c'est, ça, exactement? Du jus de citron. Du jus de citron, ok. Hop, on verse. Du coup, on verse que en demi-shot? Là, j'ai mis 4 centilitres. 4 centilitres, et ça s'appelle comment, ce machin? Ça, c'est un jigger. Un jigger. C'est un doseur. Donc, 4 centilitres dans le jigger, ok. Ensuite, on a un peu d'orgeat. Un peu d'orgeat, pareil. Attendez, il a la main, hein. Il fait ça à deux doigts et tout, ok. 4 centilitres aussi? 4 centilitres aussi, ouais. Ok. Et après? Après, on va mettre de la glace et on vient checker. Du glace, de la glace, ok. Je te laisse faire. Des glaçons, des gros glaçons, ouais, tu peux voir. Ok, on en met combien? Il faut qu'il y en ait. Donc, ça soit bien, quoi. Ok, nickel. On prend et attention, on check. Attention, et... Ok, compte. Je pense que c'est bon. Toi, ça fait mal au bras. Ouais. Ok, attention. Ok. Alors, on utilise cette machine, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une passoire. Une passoire. Elle est étrange, cette passoire. Elle est étrange, mais elle est très utile. Ok, alors, passoire. Je vais mettre un petit peu de glaçon dans. Ok, dans le verre, un petit peu de glaçon pour toi, Baptiste, parce que ça sera meilleur. Ok, un peu, il y en a beaucoup quand même. Ok, faut pas hésiter. Ok, et ensuite on verse. Ah. Ok. Shanice, on me glisse à l'oreillette que l'équipe technique voudrait aussi un cocktail, donc il faudra en préparer une trentaine. Ah. Je suis pas sûre qu'autant de matos regarde. Il y a des gens qui attendent aussi, il en faut pour tout le monde. J'ai une équipe de soifards derrière moi. On te met des petites pommes, Baptiste, regarde comme c'est joli. Wow. C'est magnifique. Attendez, je vais faire ma youtubeuse. Wow. C'est beau, hein. Je le fais tourner. Par contre, c'est pas moi qui va le transporter, puisqu'à mon avis, il y en aura de par terre. Mais ça fait partie du job, normalement. Hein. Merci beaucoup, Mathéo. Et juste à côté, on a Mathilde. Bonjour, Mathilde. N'hésite pas à parler dans le micro. Alors, toi, tu es aussi barman et médecin. Alors, je ne suis pas barman, du coup, je suis aussi hébergement. Ok. Mais juste avant, j'ai fait une mise à niveau, puisque j'ai fait un bac général. Ok. Et pour entrer dans les compétences, j'ai dû faire ce qui s'appelle une prépa, une mise à niveau. Pour revoir un petit peu les bases de ferry, donc le bar, la cuisine et le service. Ok, et toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au World Skills? Alors, parce que c'est une compétition, mais là, j'ai l'impression que tu es en compète. Non, moi, je présente juste donc, les métiers de l'hôtellerie restauration. Ok, voilà. Donc là, tu présentes le côté c'est barman. Ça. Et là, du coup, on est où exactement? Là, c'est quoi ce stand? Métier. Ok, et là ils font quoi à côté? Il y a des plats, c'est le service. Ouais. Ils vont flamber, ils vont faire tout ce qui est flambage. Ils vont une banane flambée. C'est possible, oui. À côté, on a la partie cuisine. D'accord. Voilà.
Ok, c'est génial. Et toi, comment tu as choisi cette formation? Qu'est-ce qui t'a motivé? Alors moi, j'aime beaucoup parler avec le client, le contact client. Donc c'est pour ça que je suis rapprochée de cette formation. Et puis c'est surtout un métier qui permet de voyager un petit peu partout. C'est sûr. Et alors, dis-moi, moi je ne sais jamais quand on sert à table, on sert par la droite ou par la gauche? Ça dépend. Vous avez un service à l'anglaise et vous avez un service à la française. Alors, à la française? Donc du coup... Montre-moi comment faut que je me mette tienne. Alors du coup, on se tient. Comme d'accord. Ça, on droit, avec, okay, on essaye de mettre la main dans le dos, okay, et on va, en mode militaire un peu. C'est ça, okay, on va du coup servir le client, okay, c'est ça. Ah, et si on veut mettre tout ce qui est sauce, ouais, on passera par ce côté-ci pour verser okay, la sauce. Voilà. Ok, il y a encore du boulot, je pense. Merci beaucoup, Mathilde. Avec grand plaisir. Alors, je confie Baptiste le super cocktail à Louis. Il y a du monde hein, derrière, parce que vous pensez que je suis toute seule, mais non, il y a du monde qui est avec moi pour pouvoir faire cette émission. Merci à eux. Merci Mathilde, je te reprends le micro. Je file, Baptiste, je te ramène le super cocktail à l'abricot, orge et sirop d'amande. Magnifique, magnifique. J'ai hâte de goûter ces cocktails. Je te laisse nous retrouver, Chanice. Un petit peu moins parce que ça tend un peu de l'apporter. Merci Mathilde. Évidemment, à la suite, Baptiste. Merci Mathilde. J'ai hâte de trinquer avec toi, Chanice.